Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour la suite des hauls soldes. Donc je suis habillée pareil puisque je filme le même jour. La luminosité est pareille puisque c'est le même jour. J'en suis navrée. Mais là on va parler qui habille. Je vous ai fait celui de la halle, je vous le remets ici si vous ne l'avez pas vu dans le petit i. Et là on va vers la halle et, qui habille. Et là qui habille c'est un peu plus costaud. Il y a deux sacs, un bien blindé et un petit câble. Deux, trois choses dedans. Et donc c'est parti. On va commencer. Donc tout d'abord, j'ai trouvé qu'il y avait plus de choix à Kiabi qu'à la halle. Mais ça je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais c'est vrai. Tout d'abord j'ai trouvé ce petit pull. Enfin petit. Ce pull. Assez chaud. Il est il est rouge, un petit peu corail. Voilà. Avec marqué partie dessus en paillettes. En fait c'est pas des paillettes collées, c'est une laine pailletée en fait. Je le trouve vraiment très très beau. Il est comme ceci, tout simple, hein. C'est un pull basique mais chaud. Il est resserré aux manches comme ceci. Il était à 30% et je l'ai eu, enfin il était à 20€ et je l'ai eu à 30%. Donc comme l'autre, je vous mettrai les prix après réduction. Je l'ai pris en 46-48 celui-ci et il va très très bien. Voilà, ce petit pull, assez chaud en plus, donc ça c'est plutôt cool. On va poser ça là. Ensuite, j'ai pris ce petit, cette petite blouse. J'ai adoré le rendu avec un jean noir, c'est juste parfait. Je l'ai pris en 50-52 celle-ci. Elle est comme ceci, elle est bleu canard avec des fleurs un peu roses, blanches. Enfin, je l'ai beaucoup aimée. Elle est comme ceci. Il y a des petits boutons là pour faire joli. Parce que je pense pas qu'on puisse. Non, on peut pas les défaire. Non, on peut pas. Elle est comme ceci, les manches longues, resserrées, avec un petit bouton. Enfin voilà, ça fait vraiment effet chemisier. Très légère. J'aime beaucoup. Elle était à 30% et à la base, elle coûtait 18€. Donc voilà, on s'en prive pas. J'ai adoré. Ensuite, ça c'était pas en solde, mais vous savez, dans le haul que j'avais fait avant de partir à Disney au mois de novembre, oui, ça doit être un haul que j'ai fait au mois de novembre, je vous le remettrai ici si je le retrouve, j'avais acheté des jeggings, j'en avais acheté deux, un gris et un bleu foncé, et là j'ai acheté un noir, il n'était pas en solde, mais j'ai acheté un noir, parce que ça c'est un basique et j'aimerais bien en avoir un dans ma garde-robe. Ensuite, donc ça c'était tout pour le sac là. Et il était à 15€ je crois, celui-ci. Il me semble que les jeggings, c'est ça, 15€. Ouais, 15€, je l'ai pris en 52. Voilà, voilà. Ensuite, là, on attaque le gros sac. Et là, il y en a un petit paquet. Il y a juste deux choses pour le chat, donc bon. Il y a d'abord ce petit t-shirt pour moi. Un t-shirt basique, hein. Gris. Avec marqué Wonder Power. Voilà. En noir, il est gris comme ça. Je l'ai pris en 50-52. Il était à 12€, il est passé à 50%. Donc autant vous dire qu'un t-shirt à 6€, ben on le prend. Hein, ça fait toujours son job. Et j'aime bien à la maison mettre des t-shirts. Voilà. Donc, ensuite, j'ai craqué pour ce pull. Et ça a vraiment été un coup de cœur. Autant pour moi que pour le chat. Donc c'est un peu un sweat pull. Il n'est pas aussi épais qu'un sweat, mais il a la forme d'un sweat. Donc c'est celui-ci. Il est jaune. Il y a un peu jaune qui tire sur l'oranger, voilà, avec les petits détails là, ajourés devant. Les manches resserrées comme ça. Et également resserrées comme ça à la taille. Donc il est comme ceci. J'espère que vous voyez bien. Hop. Je l'ai pris en. Celui-ci, 46-48, il était à 20€, il y avait 50% dessus, donc pareil, on ne se prive pas d'un pull à 10€. Hein. Ensuite, je me suis pris, ça c'était pas en solde, mais j'ai craqué dessus, c'est pour l'inscription en fait. Je l'ai pris en 50-52, il était à 6€, et c'est marqué chouquette dessus. Voilà, il est noir tout simple, basique, hein, mais chouquette. Donc je l'ai pris, j'ai craqué, je me suis dit que voilà, c'est un petit t-shirt... sympathique.
Ensuite, j'ai pris ce petit, enfin petit, ce grand gilet gris. Je l'ai pris en 46-48, il est à 25€ et j'ai eu 20% dessus. Donc il est hyper grand. Il est en gris clair. Gris clair un peu chiné. Et dedans, je ne sais pas si vous verrez, il y a des reflets un peu pailletés. Donc voilà, il est en laine, il est chaud, il est douillet, il y a une capuche. Donc voilà, c'est le principal. Vous voyez, là, il y a la petite capuche. Et il était à 25€. Bon, un gilet, on en a toujours besoin et j'en ai pas des gris. Ensuite, j'ai craqué pour ce pull que j'avais vu quand je suis allée samedi avant-dernier. Je suis allée avec ma maman à Luxeuil pour un rendez-vous chez la Gigi, hein, pour le deuxième mois de stimulation. Si vous n'avez pas vu le premier, je vous le mets ici. Et du coup, on en a profité pour passer à Kiabi, donc sur Luxeuil. Et je l'avais vu, ce pull, à paillettes comme ceci. Il est juste super beau, il est super confortable, il est douillet, il est pilou-pilou, il est brillant. Je l'ai pris en 46-48, comme ça je pourrais le remettre l'année prochaine, je pense. Il était à 20€, il y avait 20% dessus. Si jamais il est trop gros, je le revendrai, c'est pas grave. C'est comme tous les habits que j'ai achetés là, si jamais pour l'année prochaine ils sont trop gros, je les revendrai. Donc ils seront quasi neufs. Hein. Mais c'est pas grave, il faut bien que je me rhabille. J'ai pris ensuite ce t-shirt manche 3/4. Au début, je croyais que c'était un t-shirt, mais ce t-shirt manche 3/4 avec marqué Flawless. Donc, il est comme ceci, blanc, avec les manches 3/4. Là, vous avez un petit détail bouton, donc, comme ceci. Là, on a l'impression que ça ressort rouge, mais c'est plus orangé corail. Voilà. Il est tout simple, tout basique. Mais je n'ai pas beaucoup de t-shirt fin comme ça en manche 3/4 et ça c'est plutôt cool pour le printemps ou pour l'automne quand on est entre deux saisons et qu'il fait chaud mais pas assez pour mettre des débardeurs et qu'il fait pas assez froid pour mettre des gros pulls. Donc voilà, et en plus il était en réduction, donc il était à, je vous ai pas dit le prix, il était à 10€, je l'ai pris en 50-52, il était à 10€, il y avait 50% dessus, donc pour 5€. Celui-ci c'est pareil, je l'ai pris en 50-52, il était à 12€, il y avait 50% dessus, c'est un t-shirt rouge avec marqué dessus Beauty Mode. Voilà. J'ai pris celui-ci. Et j'aime beaucoup mettre des t-shirts en ce moment. Donc, ouais. Enfin, en ce moment. En ce moment, j'ai la folie des t-shirts quand je vais en magasin. Donc, ça va se casser la figure. Voilà. Pareil, j'ai craqué sur ce pull-là. Le chat ne l'aime pas du tout. Enfin, n'est pas fan. Je l'ai pris en 46-48. Il était à 22€. Il y avait 30% dessus. C'est un pull en maille et il est jaune et il est juste trop beau. Il est un peu long donc ça fait un gros pull un peu loose. Je l'ai pris en quelle taille? Je l'ai pris en 46-48 donc il est un peu loose. Je peux le mettre avec un leggings donc ça c'est plutôt parfait. Je l'ai adoré, j'ai craqué dessus. Le chat n'était pas fan mais je lui ai dit moi j'aime bien. Ensuite, deuxième chemise que je me suis pris. Hein, vous avez vu la première dans la halle, enfin dans le hall de la halle. Et j'ai dit que je voulais un petit peu changer de... Pas de style, pas changer, mais varier un petit peu. Parce que je mets toujours la même chose. Et voilà, j'aimerais bien mettre d'autres choses. Sachant que je suis refait un tri dans ma penderie. Et il y a déjà quelques trucs qui sont partis. Mais elle est toujours aussi pleine, quoi. Il faudrait que je vous montre un petit peu un jour ma penderie. Tout ce qu'il y a dedans. Il faudrait que je l'arrange correctement avant. Et puis voilà. Hop là. Donc c'est une petite chemise imitation jean, c'est pas une matière jean, donc c'est assez léger, elle est comme ceci, les boutons c'est par pression, elle est juste trop belle, ça avec un petit débardeur en dessous un petit peu ouverte et un jean clair, c'est juste trop beau, enfin voilà. J'ai envie de revenir à un peu des choses que je mettais avant, je l'ai pris en 52 celle-là, parce que les chemises j'aime, enfin... Tout ce qui n'est pas trop stretch, je ne peux pas encore prendre 46-48, surtout des trucs comme ça. Mais voilà, j'aime bien ce genre de choses. Ah, ça, c'était pas en solde. Ça, j'avais fait une e-réservation dans la semaine. Et ça tombait bien, il est arrivé pour quand j'y suis allée samedi. Donc, c'est parfait. Et ça, c'est... Parce que je me suis fait avoir, il y avait en automne, ils avaient déjà sorti une collection Disney, il y avait Bambi et je voulais le commander et je ne l'ai pas fait et je suis dégoûtée parce que moi vous savez que j'adore Bambi. Il était vert,
vers Cacadois, on va dire. Et je l'ai pas eu. Donc voilà, je suis un peu déçue. Donc là, je l'ai vu et je l'ai pris. J'ai pris. Il est bordeaux avec une tête de mini. Donc c'était un sweat. Vas-y, fais le focus. À capuche. Voilà. Donc ça va être pour Disney. Je l'ai pris en 50-52. J'aurais pu clairement le prendre en 46-48. Ça serait passé aussi. Mais vu que je veux le mettre pour aller à Disney, bah, j'ai besoin de pouvoir mettre des choses en dessous. Donc il était à 18 euros. Rien à dire. Je suis trop contente de cet achat. Ça, c'est le coup de cœur du truc, quoi. Parce que ça, c'est, il est juste trop trop beau. Il y en avait d'autres, mais c'était celui-là. C'est sur celui-là que j'ai craqué. Ensuite, dernière chose pour moi, et après c'est les deux trucs du chat. Cette robe. Alors vous allez dire, ça fait mamie. Mais moi j'ai beaucoup aimé. Enfin, je veux changer, donc il faut bien que je mette d'autres choses que ce que je mets d'habitude. Elle était à 50%, à la base elle coûtait 25 euros. Donc c'est celle-ci. Elle est bleue nuit avec des couleurs orangées, jaunes. Donc comme ceci. Voilà, il y a la petite ceinture aussi. Là, comme ça, en tissu. Les manches sont resserrées comme ça. Donc voilà, elle est juste trop trop belle. Donc oui, à la base, elle coûtait 25 euros. Elle était à 50%. Donc voilà, ça fait une petite robe à 12,50 euros. Pas dire. Et ensuite, le chat, lui, il s'est pris de jeans tout simple. Hein, un jean comme ceci. Un régular comme ça et un noir, il a pris en taille, que je dise pas de bêtises, il a pris les deux en taille 50, voilà. Donc voilà un petit peu pour les achats vêtements, je vous laisse avec les essayages et on se retrouve après.
vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner. N'hésitez pas à me dire quel était votre article coup de cœur, ce que vous avez trouvé chez Kiabi ou chez d'autres enseignes. Voilà, moi je pense que j'ai assez craqué. J'ai assez dépensé en vêtements. Il y a un haul qui va arriver sur les produits de beauté que j'ai achetés. Vous avez vu, j'ai mis ma petite bougie, ma jolie candle. Il y a assez de choses comme ça, j'ai acheté, c'est bon, là on va arrêter. Pourtant il y a des très très belles pièces de la nouvelle collection, mais j'ai dit non, hein, on était là pour faire les soldes. Donc on verra ça plus tard. Sur ce, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.